Nous avons gagné! Que vive la démocratie! On a gagné! Félicitations! Félicitations, monsieur le président. Votre pays est maintenant une démocratie. Bravo! Vous avez gagné, monsieur le président. À vous les rênes du pays pour 5 ans. Félicitations, monsieur le président. Vive le Congo! Vive la démocratie et la liberté! Enfin, nous sommes en paix. Cap sur démocratie ville. Hey! Vous les manifestants, taisez-vous! Le chef a besoin de tranquillité pour conduire le train à bon port. Non! Le droit de manifester est garanti par la Constitution. Liberté, démocratie, à bas la corruption, nos élections truquées. Tiens, vous êtes des ennemis de la démocratie. On n'a pas besoin de gens comme vous dans ce train. Bravo, monsieur le président. Nous vous apportons une aide financière. Vous êtes sur la bonne voie. Bonne chance. Continuez. Allez, allez. Ne distrayez pas le président, il est très occupé. Revenez plus tard. Il ne faut pas nous retarder. Nous devons maintenir notre vitesse. Ce n'est pas le moment pour ces rapports. Vous vous opposez à qui? La démocratie n'a pas besoin d'opposition. Notre chef a gagné les élections. Taisez-vous et arrêtez de poser des questions. Laissez le chef conduire le train à sa guise. C'est notre droit de poser des questions et de nous opposer au président et au gouvernement. Vive la démocratie. Vous complotez contre le chef. Par votre comportement, vous avez gagné le droit de descendre ici. Nous n'avons pas besoin de vous dans notre train. Chef, les opposants ne veulent pas se laisser faire. J'ai été élu président. J'ai affaire, pas de distraction. Écraser les ennemis de la démocratie et que ça sorte. Ok, chef. Mission accomplie, chef. Nous avons neutralisé les ennemis de la démocratie. Et maintenant, ça va être tranquille. Bravo, monsieur le président. Vous faites du bon travail. Nous vous apportons encore de l'aide. Gardez le cap. S'il vous plaît, y a-t-il eu des victimes? Il n'y avait pas d'autre solution? Les gens ont le droit de savoir ce qui s'est passé. Qui a ordonné ça? C'est illégal. Vous n'avez pas le droit de tuer les gens. Combien? Eh bien, allez vous renseigner à la source. Nous n'avons pas besoin de vos questions et que vous nous disiez ce qui est illégal. Cette traite, pas de pitié pour les sympathisants, les ennemis de la démocratie. Monsieur le président, regardez tous ces rapports. Il faut... Arrêtez! Arrêtez, monsieur! Laissez le président tranquille. Il est très, très pris. Ces rapports sont faux! Ne l'ennuyez pas avec ces futilités. Nous avons dû faire un peu de ménage. Ne le prenez pas comme ça! Allez, oust! Mais où allons-nous? Je ne comprends rien! Les gens sont jetés du train, le conducteur ne jette même pas un coup d'œil et il ne s'arrête même pas. Moi, j'ai un prix indiqué pour démocratie vive. Garde la pensée unique. Mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, je vais descendre. Arrêtez le train. Nous allons dans la mauvaise direction. Allez, venez tous. Le train doit changer de direction. À mon signal, tirons les rats de ce côté. Tirez! 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 Alors, on prend à gauche ou à droite? Je ne vois pas très bien les rails devant, mais vous êtes le conducteur. Vous décidez. Je m'inquiète sur le tunnel. Il n'y a pas de lumière. Nous avons peut-être pris un mauvais virage. À suivre.